Are you ready? Aujourd'hui, c'est la 50e vidéo sur les prévisions de trafic. Et c'est les prévisions de trafic du week-end du 12 février au 14 février. Donc, que se passera-t-il ce jour-là? Voilà, c'est très simple. Vous pouvez voir sur cette image qui apparaît à l'écran. Donc, le 12 février, un jaune est classé verte au niveau national dans les deux sens de circulation. Mais orange dans le sens des départs en Rhône-Alpes et à Bordeaux. Le tableau horaire, vous pouvez voir en bas là, vous voyez bien les petits horaires qui sont indicatifs mais qui ne concernent pas tous les axes. Hein. Par exemple, l'autoroute A85 n'est pas concernée par le flux ouest-est par exemple. Il n'y aura pas des ralentissements sur la 85 de 16h à 22h. Ça semble logique. On parle plus particulièrement des axes des régions concernées. Hein. Par exemple, la Alpes, c'est 8h à 16h ouest-est. Hein. Par exemple, la 13 ne sera pas concernée. Il n'y aura pas de bougeon sur la 13 de 8h à 16h. Voilà. Petite mise au point pour ceux qui n'avaient pas compris. Le samedi 13 février donc est une journée classée orange dans le sens du départ, noir dans les Alpes et rouge en Val de Saône dans le sens du départ en tendance régionale, dans le sens des retours orange dans les Alpes et Champagne Ardennes. Dimanche 14 février, c'est classé vert dans tous les sens, départ, retour et régional. Donc que se passe-t-il donc le 12 février? Donc c'est une journée calme hein, comme d'habitude le matin. Les habituels bouchons sur la 13, la 10, la 68, la 9, c'est pas très intéressant. Alors, les premiers ralentissements sérieux, c'est à partir de 15h sur la 10 déjà en sortie de Bordeaux, la A61 à Toulouse, la 7 Nord, la 46 en direction de la 43, la 13, la 31, etc. Donc, toujours une spéciale. 16h du monde sur la 43 dans les 200 de Cerveson de Lyon à Chambéry. Beaucoup de monde est sur la 10 à Bordeaux, hein, on peut dire ça qu'à Bordeaux. Comme d'habitude quoi. 17h là, A62 rentre dans le tas en direction de Langon. Il se prend long sur l'autoroute A65. L'autoroute A65 sera fluide. Mais il y aura quand même du monde qui veut rejoindre cette route. Mais une fois sur la A65 c'est fluide. Sinon dans les Rhône-Alpes, là dans la région Rhône-Alpes, vous pouvez voir énormément de monde. Hein. A46, A432, A42, A47, A43 qui sont bien bouchés. A41 aussi, l'autoroute A7, un peu de monde aussi entre Valence et Montélimar. La 9, la 8 et l'autoroute A61. 18h, heure la plus chargée de la journée. Beaucoup de monde qui sort de Lyon en direction des Alpes sur la 43. Sur la 42 pour rejoindre la 40. De Toulouse aussi, en direction des Pyrénées, hein, A61, peut-être la 66. Et aussi à Bordeaux aussi, en direction déjà de Bassin d'Arcachon à 63. Mais aussi ceux aussi qui veulent rejoindre les Pyrénées en évitant l'autoroute A65. En prenant aussi l'autoroute A63 puis la départementale 834. Sinon il y a aussi ceux qui prennent l'autoroute A62. Plus au nord donc un difficulté habituel hein, sur la 25, sur la 13, sur la 1 et sur la 31 et aussi sur l'autoroute A36. 19h donc 19h, encore beaucoup de monde dans le camp d'agglomération, mais surtout à Bordeaux sur la A63, mais aussi en Rhône-Alpes hein, sur l'autoroute A43 et l'autoroute A41. 20h, des résidus de bouchons sur la 13, la 1, la 51 sud. Mais aussi sur la 46 en direction du nord, la 430 et la 46 en direction du nord. Pareil pour la 42. Encore un peu de monde sur la 47 pour rejoindre Saint-Etienne. L'autoroute A43 encore bien dense hein, en direction des Alpes. Pas fait mieux, encore beaucoup de monde. On pourra aller chambier du nord. Mais pas de véritable bouchon à... Attends, c'est quelle heure là 23h. À 23h donc, cirque sont dense sur la 432 en direction du nord. Où est la logique? Je pense que c'est... APRR qui a dû encore faire quelque chose de n'importe quoi. Bon, jusqu'à minuit, il n'y a personne sur la 432. Et ben, ce n'est pas logique. Donc le samedi 13 février, donc c'est la zone A qui part en vacances. Donc que se passe-t-il? Donc à 5h, vous voyez une carte full, mais en fait, il y a quand même du monde sur la 6 en direction de Lyon. Sur la 85 aussi, sur la A71, il y a peut-être du monde, si jamais. Voilà, vous pouvez voir là. Histogramme de la 85, il y a du monde à partir de 5h du matin. La route A6, je pense qu'il y a la même chose, ouais, même à partir de 3h du matin. Sur la 26, hein, du monde aussi à partir de 6h. La 89, non, la 89, il n'y a personne. Qui est en zone A aussi, je sais pas. La 9, non, la 9, il n'y a personne. Ah, je me suis trompé de bouton. Donc voilà, il y a quand même des axes assez denses, mais les premiers bouchons qu'on peut voir sur la carte, qui sont considérés comme des bouchons, c'est à partir de 8h du matin. Ouais, mais à 7h du matin sur la 432 au péage de la Boisse. Comme d'habitude, pour éviter ce fameux bouchon, prenez la nationale 346.
Donc 8h, la 40 est dense entre l'autoroute A32 à l'autoroute A39 et l'autoroute A42. L'autoroute A43 est déjà extrêmement bouchée de Lyon jusqu'à Eton et dans l'autre sens aussi de Eton jusqu'à Coiran. L'autoroute A6 et l'autoroute A6, l'autoroute A85 et A71 sont aussi très denses. 9h, la 89 est aussi dense, hein, de Clermont-Ferrand à Balbigny je pense, voire même jusqu'à Lyon. Bordeaux, du monde aussi sur l'autoroute A10 pour arriver sur Bordeaux depuis Guersac. Et ça se prolonge sur la rocade bordelaise, puis sur l'autoroute A2 de Bordeaux à Langon. Toulouse aussi un peu de monde, sur l'autoroute A1 au pied du sud. Sinon dans les Alpes, autoroute A40 bien bouchée à partir de Bourg-en-Bresse jusqu'à Chamonix. Ainsi que sur l'autoroute A43 dans les deux sens de circulation de Lyon jusqu'à Eton. Et ça peut même se prolonger jusqu'à Bourg-Saint-Maurice sur la fameuse route nationale 90. Notez aussi qu'il y aura un peu de monde sur la route nationale 85 après Grenoble pour rejoindre Visy. 10h, la 10, la 62 sera bien bouchée de Virsac jusqu'à Langon. L'autoroute A6 qui apparaît enfin orange entre Beaune et Mâcon. Évidemment c'est bien rouge. La 40 orange, voire rouge. Orange dans le sens partout depuis Mâcon et oui depuis Mâcon jusqu'à Bellegarde. Et sinon saturation entre dans les deux sens de circulation entre l'autoroute A39 et l'autoroute A42. Même si cette portion est à 2 fois 3 voies, il faudra s'y attendre aussi à beaucoup de bouchons. Évidemment, l'autoroute A6 pour prendre l'autoroute A39. A39 est conseillé, mais vous éviterez pas tous les bouchons. Ensuite, dans la région lyonnaise, que se passe-t-il? Autoroute A7 du monde en direction du sud, les petits lyonnais qui veulent rejoindre Marseille, qui rejoignent la mer, ils veulent pas aller à la plage. Mais sinon il y a quand même du monde hein, qui veulent rejoindre l'autoroute A43, on le voit sur l'autoroute A46 de Saint-Priest, non, de Ternay à Saint-Priest. La 432 est bloquée évidemment dans les deux sens de circulation au péage de la Boisse, ça n'a pas besoin de le rappeler. La 43 hein, toujours aussi bouchée de Lyon jusqu'à Chambéry, puis ensuite après de Chambéry jusqu'à Albertville, puis après cela la route nationale 90 jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, vous savez les gars. Voilà, l'autoroute A7 dans ceci de Montélimar à Valence. 11h, heure la plus chargée de la journée. On voit que la 40 se fout du film, mais c'est faux, hein, elle sera bien bouchée. Un peu de monde aussi sur l'autoroute A64 de Toulouse jusqu'à Saint-Gaudens. A71 qui apparaît en orange de Vierzon à Bourges et sur l'arrivée à Clermont-Ferrand. Un peu de monde aussi sur la 714, mais ça je ne sais pas trop d'où ça sort. Donc la 31, la bien dense aussi, hein, l'autoroute A6, la 39 aussi en direction du nord, la 43 qui est complètement rouge, de chez rouge, de Lyon jusqu'à Eton. C'est-à-dire l'axe Lyon-Bourg-Saint-Maurice, voilà, complètement bloqué. Il y a quand même du monde sur la 48, là ça s'affiche en vert, mais en fait c'est bien dense. La plupart des bouchons en fait se situent en fait dans la traversée de Grenoble, ici. Puis ensuite après sur ce petit morceau de route nationale 85, là, que vous pouvez voir ici, qui va à Visil. Puis ensuite après, peu de monde continue sur la 85, ils prennent la départementale à 1091, la route qui passe par là, et qui arrive au bourg d'Oisans. Puis après là c'est l'Alpe d'Huez. Donc midi, du midi, j'ai l'impression qu'il y a une intensification du trafic sur l'autoroute. Intensification du trafic général, hein, du monde sur la 63, sur la 51, oui, la 51 de Aix-en-Provence jusqu'à la Sauce. Dans la 42, la 6 aussi de Lyon à Beaune, la 47, la 39 aussi qui sera bouchée, oui, bouchée de Poligny jusqu'à Dijon, puis sur la 31, la 43 toujours aussi saturée, un peu de monde aussi sur la 13 en sortie de Paris. 13h donc, 13h et ainsi que du monde uniquement dans la région, uniquement dans les Alpes, hein, la 43 par exemple, qui vient boucher la 432, la 46, la 6 qui apparaît en vert, c'est utopique, elle sera bien ralentie évidemment. Et la 31, elle, qui est carrément surjouée, qui montre que la 31 est saturée, alors qu'en fait, ce sera juste de la circulation dense. Hein. C'est la 6 qui sera concernée. Même si, évidemment, il y aura des belles qui rentreront chez eux. Et voilà, ce qui explique quand même une circulation dense sur l'autoroute A5 de Langres jusqu'à 3. À 14h, les départs reprennent à Toulouse, donc à 43, toujours, c'est saturé. Donc. Après la 5, c'est autour de la 26, hein, à 26, de 3 jusqu'à Reims, qui apparaît bien orange. Le 3 à Reims qui se prolongera après jusqu'à Lille, très tard dans la nuit d'ailleurs. Donc vous pouvez voir que l'axe Bourg-Saint-Maurice 3 est complètement saturé par A43, A6 et A5.
Pour ceux qui viennent de la 40 à la 39, c'est circulation dense, pas de bouchon, c'est à partir de la 31 que ça va commencer à boucher. 16h, la 26 rentre dans la circulation dense, enfin dense, mais en fait ça atteint déjà peut-être Saint-Quentin, voire même Calais, ou peut-être ceux qui ont pris la 31 pour rejoindre Luxembourg, Belgique. Le route à 6 aussi, qui est bien bouché de Mâcon jusqu'à Beaune. La 43 qui est même pas trop bouché en direction de Lyon. Et surtout en fait dans le sens des départs, c'est bouché dans l'autre sens, ça passe, la plupart du temps, c'est déjà répandu. En région Bourgogne, voilà. 17h, la circulation dort sur la 6 se répand jusqu'à Courtenay. Et oui, il y a les Belges qui ont l'idée de passer par Paris, c'est pas bien. Il faut prendre l'autoroute à 5, même si elle a pas en route, il faut prendre l'autoroute à 5. Il faut boucher cette autoroute. C'est tout. Donc. 18h, vérification générale du trafic, même si c'est un peu fou. Il y aura quand même beaucoup de monde sur l'autoroute à 5 et l'autoroute à 26 de Langres jusqu'à Calais. Et aussi sur l'autoroute A1 et l'autoroute A16 de Paris. Paris vers la France, Paris-Lille, Paris-Calais aussi. Et dans le sud de la France, donc, ceux qui rentrent chez eux, hein, les Marseillais qui rentrent chez eux, voilà, ça pose des bouchons aussi sur la 51 dans la traversée de Aix-en-Provence. Et donc toujours tant de monde aussi sur l'autoroute A43 pour rejoindre là, pour rejoindre les stations de Val-Thorens, Bourg-Saint-Maurice et tout, c'est encore très dense à 19h. 20h, c'est terminé, on peut dire que c'est terminé, même si il y a quand même des résidus sur la nationale 90 et sur la départementale 1091. Voilà, on a fini avec ce samedi 13 février qui est quand même bien mondé. Le dimanche 14 février, il y a beaucoup moins de monde. Le matin, fluide. Ah non, midi, circulation. Ouais, donc ça commence à partir de 10h, non ? A43, bien dense dans les deux sens de circulation. De Coirane à Chambéry et mais surtout en direction de du nord hein, ça se répand même jusqu'à PH de 51 Falavier puis sur l'autoroute A432 puis sur l'autoroute A40 ceux qui ont pris l'autoroute A42 et sinon le reste de la journée c'est plutôt calme. En soirée difficulté habituelle hein, A13, A62, A64, A51 et ça se termine à 20h le bouchon. Donc voilà, c'est la principale prévision de trafic. Les prochains prévisions de trafic, ce sera du 19 au 21 février. Et là, la zone C part en vacances, donc il y aura aussi beaucoup de bouchons à prévoir. À la semaine prochaine.